Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir oublier. Oublier ce que j'ai fait. Je crois que ta conscience était trop impliquée pour ça. Tu sais, on a eu du mal à te trouver. Et la raison pour laquelle on t'a cherché, c'est juste que nous voulons savoir comment ça a pu arriver. Tu as apporté ce que je t'ai demandé? Oui, je les ai sur moi. Tu sais, tout est allé très vite. J'ai rien vu venir. C'est toi qui dirigeais les observations. La situation était censée être sous ton contrôle. Attends, attends une seconde. Je te rappelle que c'est vous qui m'avez réquisitionné il y a 2 ans. Je faisais des recherches sur Ebola avant que vous m'emmeniez travailler sur vos tests et vos soi-disant sérums, dont j'ai jamais pu savoir de quoi ils étaient faits, je te signale. Désolé, je peux rien te dire à ce propos et tu sais pourquoi. J'aurais dû me méfier. J'aurais dû être capable de prévoir. À partir de quand la situation t'a échappé? Dès les premiers tests. On ne pouvait même pas les approcher. Lâchez-moi! Je vais le maîtriser! Ah, arrêtez! Putain! Ah, ah, cette folie m'a porté! Injectez-lui la dose. Non! Non! Ah, ah. Devenez complètement fou. Ils étaient agressifs. Ils se mettaient à manger n'importe quoi. Des ordures, leurs vêtements. J'ai arrêté les injections, mais leur état continue à se dégrader. Allez Henri, ça va aller. Donne-moi les rapports. Tiens. C'est tout ce que tu as? Ce sont ceux que j'ai récupérés chez moi. C'est les seuls qui restent. Monsieur, pourriez-vous raccompagner le docteur, s'il vous plaît? Bien, lieutenant. Docteur, suivez-nous, je vous prie. Par ici, monsieur. Je vous suis. Avez-vous perdu contrôle de vous-même? Une intrusion a été détectée. Nous vous prions de garder votre calme et de vous conformer aux instructions du personnel médical. Qu'est-ce qui vous prend? Lâchez-moi! Vous êtes tombé malade! Vous êtes désolé! C'est faux! C'est faux! Qu'est-ce que vous faites?